Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, c'est un grand honneur pour moi de présenter ce jour devant cet illustre aréopage l'origine et l'objet du différend qui nous conduit devant vous. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'origine du différend soumis à la Cour. Je rappellerai ensuite les grandes étapes de la négociation du compromis avant de dire quelques mots de l'objet du présent différend. À propos du contexte général à l'origine du différend et donc du compromis, il m'a semblé qu'il n'était pas inutile, pour la bonne information de la Cour, de revenir sur l'origine du contentieux opposant le Gabon à la Guinée équatoriale. On rappellera à cet égard que le différend territorial opposant le Gabon à la Guinée équatoriale ne naît pas en 1972 comme on a tenté de le faire croire lundi dernier. Bien au contraire, il n'est que la suite des divergences ayant prévalu entre la France et l'Espagne dans le golfe de Guinée lors de l'expansion coloniale des puissances européennes en Afrique. Ainsi, longtemps, les Espagnols évoqueront une priorité de droit issue du traité du Pardo du 24 mars 1778, par lequel le Portugal cédait à l'Espagne des droits de commerce sur la côte d'Afrique entre les îles du golfe de Biafra et le Cap Lopez, Cap Lopez aujourd'hui Port-Gentil, capitale économique du Gabon. On l'a vu, la Guinée équatoriale reprend à son compte cette chimère pour en faire un titre. Outre qu'il ne s'agissait pas de droits territoriaux, aucune puissance européenne n'avait véritablement pris possession des 10 espaces qui étaient alternativement fréquentés par les marines commerciales de plusieurs puissances européennes. Je remarque du reste que si le traité du Pardo devait fonder de telles voies territoriaux, alors une bonne partie de la côte atlantique africaine, y compris le Gabon, serait équato-guinéenne aujourd'hui, ce que cette carte n'illustre que partiellement. De fait, les rivalités et contestations de possession dureront pendant toute la période coloniale entre la France et l'Espagne, malgré l'existence de la Convention de Paris conclue en 1900 et formalisant la délimitation terrestre de leurs possessions respectives. Cette situation était due aux conditions de négociation, de conclusion et de rédaction de la dite convention qui ne brille pas forcément par la précision face à la situation sur le terrain largement inconnue des auteurs de la convention. Un tel état de fait ne pouvait que préparer les disputes actuelles. Il convient de relever que cette convention de Paris a aussi identifié formellement les îles sur lesquelles la France reconnaissait la souveraineté de l'Espagne. Il s'agit, je cite, des îles Elobé et l'île Corisco, voisines du littoral du Congo français, comme s'appelait le Gabon à l'époque. Cette convention sera contestée par certains milieux en Espagne, tant il y avait un décalage entre les revendications de ce pays et le résultat obtenu. D'où une tendance à vouloir étendre en permanence le champ de sa souveraineté fixé dans cette convention de 1900. S'agissant des îles qui font l'objet du présent litige, l'Espagne s'essaya à plusieurs reprises à une occupation militaire. La France se montra plus souple en considérant qu'il n'y avait aucune raison d'en faire un casus belli. Et les deux États s'accommodèrent de l'incertitude quant au titre de souveraineté qui devait régler leur sort. Comment le différend réapparaît-il après les indépendances? Cela est indubitablement lié à l'expression des prétentions maritimes des deux États nouvellement indépendants, plus exactement à la possibilité d'exploiter les ressources, notamment en hydrocarbures, mais aussi aux préoccupations en matière de navigation. En effet, la localisation des îles en face de la côte continentale du Gabon, et cela doit être souligné,
influent sur l'accès à celle-ci par la voie maritime. De plus, les chenaux de navigation sont dans les eaux à proximité de ce groupe d'îles, ce qui détermine de fait l'accès à la baie de la Monda au Gabon. En matière d'hydrocarbures, le gouvernement gabonais accordera un permis de recherche d'hydrocarbures à un consortium pétrolier dès le 2 août 1967. La limite nord du dit permis était définie comme étant, je cite, « la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale ». L'Espagne, qui assurait encore à l'époque les relations internationales de la Guinée équatoriale, proposa au Gabon l'ouverture de négociations sur la frontière maritime. Mon pays accepta. Mais cette initiative ne fut pas suivie d'effet avant l'indépendance de notre voisin. 3 ans plus tard, le Gabon accordera un autre permis d'exploration à la compagnie Shell. Ce permis était plus précis que le précédent, tout en réservant, je cite, les zones d'influence des îles Corisco et Elobé, fin de citation, équato-guinéenne à déterminer selon le droit international. En réponse, 3 mois plus tard, la Guinée équatoriale fixait par décret la limite de ses eaux territoriales en incorporant Banié, Cocotier et Conga dans son domaine de souveraineté. Mû par la volonté pacifiste qui l'a toujours caractérisé, le Gabon insista sur l'ouverture de négociations. Négociations qu'il avait proposées quelques mois auparavant. Des réunions se tinrent à Bata en 1971 et à Libreville en avril et en mai 1972, mais le différend sur les îles ne permit pas de régler le problème. Entre-temps, les incidents se multiplieront dans la zone. En effet, alors que les discussions continuaient, les autorités équato-guinéennes envoyèrent des éléments armés patrouiller autour de Mbanié jusqu'à l'incident du 20 février 1972, au cours duquel des pêcheurs et plaisanciers venus du Gabon pour pêcher aux abords de Mbanié essuieront des coups de feu de soldats équato-guinéens. En effet, à plusieurs reprises, des pêcheurs gabonais qui avaient de longue date utilisé Mbanié et Cocotier comme point de campement avaient essuyé des tirs de forces armées venues de Guinée équatoriale. Une fusillade de ces mêmes forces armées a même, je cite, failli coûter la vie à une famille française d'inoffensifs amateurs de pêche, dont une femme et un enfant. Fin de citation. Pour arrêter cette escalade et permettre que les négociations sur la frontière maritime qui piétinait puissent se poursuivre néanmoins, le chef de l'État gabonais a proposé le 18 juillet 1972 l'institution d'une zone neutre dans la baie de Corisco, à exploiter conjointement et contrôlée par une police maritime mixte. Son homologue équato-guinéen a refusé tout net cette proposition et plus largement toute discussion avec le président gabonais. Face à l'attitude d'obstruction de son homologue équato-guinéen et pressé par l'urgence de protéger la sécurité de ses ressortissants, le chef de l'État gabonais a décidé, le 23 août 1972, l'installation d'un poste de gendarmerie sur Mbanié. Il a par ailleurs fait en sorte de poursuivre les échanges indispensables à la tentative de règlement du différend territorial. Une semaine plus tard, il a indiqué au président Mathias Nguema qu'il déplorait son refus de neutralisation de la baie de Corisco en rappelant qu'il demeurait ouvert à toute proposition constructive de nature à aboutir à un règlement équitable pour nos deux pays. Quelques mois plus tard, en août 1972, le Conseil des ministres de la République gabonaise, suivant en cela une tendance courante à l'époque, décidera de porter à 100 000 marins les limites de ses eaux territoriales. En réaction, les autorités de Guinée équatoriale estimeront que par cette extension, le Gabon visait un objectif, englober dans ses eaux territoriales les îles équato-guinéennes de la Convention de 1900 faisant face à la côte gabonaise, en l'occurrence Corisco, Elobe Grande et Elobe Chico, auxquelles elles ajoutaient désormais Mbanié, Conga et Cocotier. À la suite de quoi, la Guinée équatoriale saisira le Conseil de sécurité des Nations Unies
par une lettre au ton aussi alarmiste qu'éloigné de la réalité, en affirmant par exemple que, et je cite, « Depuis le 23 août, l'armée gabonaise s'est emparée de toutes les îles et de tous les îlots de la baie de Corisco qui font partie du territoire guinéen. » Fin de citation. Le Gabon s'est efforcé de rétablir la vérité par tous les canaux possibles et, in fine, le président Mathias Nguema s'est résigné à accepter une médiation africaine. À cet égard, la conférence des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique centrale et orientale, qui tenait son sommet en septembre 1972 en Tanzanie, confiera une mission de médiation au chef d'État de la République populaire du Congo, Marien Ngouabi, et du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Il s'agissait d'aider au règlement du différend par des voies pacifiques et dans un esprit de bon voisinage, de solidarité et de fraternité africaine. À l'issue de ce sommet, les deux présidents s'engageaient à régler leurs différends dans le cadre africain et par des voies pacifiques, renoncer à tout recours à la force et cesser immédiatement toute forme d'attaque réciproque dans la presse, tant écrite que parlée. Malgré ces engagements, le 4 octobre 1972, sur Radio Bata, le président équato-guinéen lançait un ultimatum à son homologue gabonais, le sommant d'évacuer Mbagné avant le 17 octobre, faute de quoi la Guinée équatoriale passerait à l'action. Dans la foulée, le président Francisco Mathias Nguema invitait les populations Fang du Wolintem à ne plus reconnaître l'autorité de Libreville et à faire sécession pour s'unir à la Guinée équatoriale. Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, il convient ici de préciser que le Wolintem, province du nord du Gabon, est habitée par des populations d'ethnie Fang. Cette ethnie aussi est celle à laquelle appartenait le président Francisco Mathias Nguema, comme l'actuel chef de l'État de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbazo. Pour sa part, le président Albert Bernard Bongo était issu d'une ethnie du sud du Gabon, les Teke. Mesdames, Messieurs de la Cour, ce détail qui peut paraître anodin n'en est pas moins important pour comprendre les enjeux de délimitation territoriale en Afrique, où un même peuple peut se retrouver partagé, sinon écartelé entre plusieurs États, avec les tensions qu'on peut imaginer en termes d'allégeance étatique. Face au risque d'escalade, les médiateurs enverront dans les jours suivants des émissaires dans les deux capitales avant que ne se tienne le deuxième sommet de la médiation à Brazzaville en novembre 1972. Lors de ce sommet, les deux présidents se sont entendus sur la neutralisation de la zone litigieuse d'une part et sur la délimitation de leurs frontières maritimes par la commission ad hoc de l'Organisation de l'Unité africaine d'autre part. Au milieu de l'année 1973, un réchauffement des relations s'amorcera. Ce mouvement se concrétisera par une première rencontre entre les deux chefs d'État à Libreville en juillet 1973, suivie d'une visite officielle du président Francisco Mathias Nguema au Gabon en juillet 1974, avant que le président Albert Bernard Bongo ne se rende à son tour en visite officielle en Guinée équatoriale. Et c'est au cours de cette visite que sera signée, le 12 septembre 1974, la convention de Bata, précisant ou déterminant les frontières terrestres et maritimes entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Cette signature, mesdames, messieurs de la Cour, ne tombait pas du ciel comme on l'a laissé entendre lundi. Cette signature était l'aboutissement d'un processus de plusieurs années de négociations dans le cadre de la médiation et de rencontres bilatérales. La convention de Bata reconnaît la souveraineté gabonaise sur Mbagné, Cocotier et Konga, et elle trace la frontière maritime dans la baie de Corisco. Par sa signature, il était légitime d'estimer, avec le président Albert Bernard Bongo, cité par le quotidien gabonais L'Union, du 20 septembre 1974, que tout était réglé avec la Guinée équatoriale. La coopération entre les deux pays était si bien lancée qu'ils allaient conclure en 1979
un accord de coopération pétrolière. Ce texte vivra ce que vivent les roses, après avoir été révisé en 1982, il sera ensuite dénoncé par la Guinée équatoriale. Cette dénonciation était le signe précurseur de la résurgence d'un différend qu'on croyait définitivement résolu en 1974. À cet égard, il n'est pas osé de penser que cet acte est illustratif de l'idée que se fait souvent la Guinée équatoriale de ses engagements internationaux, comme on le verra plus tard. Toujours est-il que, à la fin des années 80, la Guinée équatoriale, après une décennie d'accalmie, recommencera à revendiquer les îles Mbagné, Cocotier et Conga. Pourtant, afin de maintenir un climat de paix et de bonnes relations, le Gabon acceptera de rouvrir la discussion sur les questions maritimes. De fait, des échanges sporadiques ont eu lieu au niveau technique sur des zones d'exploitation conjointes en 1984, sur la frontière maritime en 1985, puis en 1993 et 2001, sans qu'elles ne permettent la moindre avancée. S'agissant à présent de la négociation du compromis, les tensions renaissant au début des années 2000, les parties accepteront l'implication de l'Organisation des Nations Unies. C'est ainsi que s'ouvrira, en août 2003, la première médiation onusienne. Sous le magistère de M. Kofi Annan, secrétaire général, et la conduite de M. Yves Fortier, elle visait au départ à trouver une solution négociée, et je cite les mots du médiateur, gagnant-gagnant sur le tracé des frontières comme sur la mise en place d'une zone de développement conjoint, une ZDC, pour l'exploitation des ressources maritimes. La médiation conduite par M. Fortier allait tenir 9 sessions entre juillet 2003 et octobre 2006. Elle allait s'arrêter sans autre forme de procès et sans résultat. De fait, si les deux parties avaient fini par s'accorder sur le principe de la mise en place du ZDC, elles n'arriveront pas à harmoniser les positions sur l'emplacement de la dite zone. La Guinée équatoriale la situait au sud du premier degré de latitude nord, qui est le prolongement en mer de la frontière terrestre, quand le Gabon la proposait équitablement de part et d'autre de ce même parallèle. Succédant à M. Kofi Annan, au secrétariat général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon proposa en avril 2008 une nouvelle médiation aux parties. Elle sera conduite par M. Nicolas Michel, et cette deuxième médiation, prévue en 2 phases d'une durée de 6 à 12 mois, visait la continuation de la première médiation en vue d'établir une ZDC et, à défaut, la négociation d'un compromis juridictionnel. À l'ouverture de la deuxième médiation, en juin 2008 à New York, alors que les parties s'étaient accordées sur l'organisation en 2 phases de la nouvelle médiation, la délégation équato-guinéenne exigea du médiateur le passage direct et immédiat à la négociation du compromis, ce que le Gabon accepta dans son souci permanent de paix et de fraternité africaine. La deuxième médiation onusienne durera 4 ans, entre juin 2008 et mai 2012. Elle se terminera comme la première sur un constat d'échec. En janvier 2016, M. Ban Ki-moon désigna un nouveau médiateur, M. Jeffrey Feltman. Cette troisième et dernière médiation tiendra 2 sessions, en janvier et avril 2016, et se conclura par la signature du compromis en novembre 2016 à Marrakech, en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. S'agissant enfin de l'objet du différend tel que circonscrit par le compromis du 15 novembre 2016, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour, pour bien cerner l'objet du différend soumis à la Cour, il importe de garder à l'esprit que pendant la deuxième médiation, celle de Monsieur Nicolas Michel, l'essentiel du texte avait été accepté par les parties au bout de 2 ans. Les années suivantes ne seront consacrées péniblement qu'à la discussion sur l'article 1er consacré justement à l'objet
du différent. Du reste, au vu de ce qui vient d'être dit par notre agent, il est évident que le Gabon n'aurait pas accepté un compromis confiant à la Cour la solution au fond d'indifférent qui était déjà réglée dans la Convention de Bata. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, il est apparu tout au long de ces médiations que la conception équato-guinéenne du différent était celle d'un différent territorial, insulaire et frontalier classique. Pour le dire simplement, deux États n'ayant pas la même définition de leurs frontières terrestres et maritimes communes et de la souveraineté s'exerçant sur un groupe d'îles devraient en saisir un tiers, le juge international, afin que ce dernier trace les frontières et détermine la souveraineté s'exerçant sur les îles en litige. Une telle hypothèse ne peut s'expliquer, bien sûr, que par la volonté de la Guinée équatoriale de nier l'existence de la Convention de Bata de 1974. Partant de là, le Gabon a toujours estimé que la matière en cause ici était celle du droit des traités et non celle du droit des espaces. Dès lors, la seule question qui méritait véritablement d'être posée au juge était celle de savoir si la convention de Bata entre les parties faisait droit entre les parties. L'opposabilité de la convention de Paris n'est pas contestée par aucune des parties. Même si, faut-il le rappeler, la convention de Paris est sans pertinence pour la délimitation de la frontière terrestre, si ce n'est pour fixer son point de départ et la souveraineté insulaire. Mes collègues auront tout à l'heure la charge de développer ces aspects. En réalité, il n'y a de différent, je le répète, que du fait de la négation par la Guinée équatoriale de l'existence de la Convention de Bata. Et je remarque, pour le regretter, que malgré les termes clairs du compromis, qu'elle dit respecter, la Guinée équatoriale veut manifestement conduire le juge à statuer ultra petita. Mais nous sommes convaincus que la Cour ne suivra pas la Guinée équatoriale dans sa tentative de transformer un différend bien délimité relatif à la détermination de titres juridiques faisant droit entre les parties en un différend plus vaste de délimitation de souveraineté territoriale. En effet, il ressort clairement du compromis que l'intention des parties n'a jamais été celle-là. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, la République gabonaise est attachée au principe pacta sunt servanda et à la sécurité juridique mise à mal par ce comportement récurrent de la Guinée équatoriale consistant à revenir en permanence sur ses engagements internationaux. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, nous devons tous éviter de céder au storytelling qui nous a été longuement servi lundi. Ce storytelling, c'est la merveilleuse histoire d'un pauvre petit chaperon rouge, la Guinée équatoriale, victime d'un grand méchant loup, le Gabon. La réalité, qui n'a rien à voir avec Alice au pays des merveilles évoquée par un conseil de la Guinée équatoriale lundi, la réalité est tout autre et elle est facile à vérifier au quotidien. Car, si j'ai bien dit que nous devons éviter de céder au storytelling, c'est parce que nos frères de Guinée équatoriale savent que nous savons qu'ils savent qu'un jour de septembre 1974, une convention a bel et bien été signée dans leur bonne ville de Bata. Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, ceci conclut ma présentation sur l'origine et l'objet du différend soumis à votre examen. En vous remerciant de votre bienveillante attention, je voudrais vous prier, Monsieur le Président, d'accorder la parole à Monsieur le Professeur Alain Pellet. Professeur Guy